Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un unboxing avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc si vous vous rappelez, j'avais déjà fait un unboxing avec cette boutique. Ce sont des dies, donc pour faire des cartes, ça y est, je commence. C'est lundi, hein. C'est lundi, il fait chaud. Des cartes, c'est mieux. des cartes, vous pouvez vous en servir pour le scrap aussi, hein, pourquoi pas. Donc, j'ai choisi quelques dies qui me plaisaient. Voilà. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, restez bien jusqu'au bout parce que au bout, je vous donnerai un code promo. Si vous voulez faire une commande. Alors, je vais enlever les plastiques. Comme ça, ce sera beaucoup mieux pour les voir. Ça ne va pas briller avec la lumière. Alors, il y a Fifi qui est là. Et du coup, bien sûr, si elle veut bien que je le présente, un dies petit chat. Voilà, un petit chat comme ça. Tout mignon. Hein, Fifi? Oui. Tu veux pas que je présente le chat? Non, elle veut pas. Elle veut que je lui fais des câlins. Voilà. Un petit chat, tout mignon. Ensuite, une jolie envolée de papillons. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup les papillons hein, dans les cartes. Donc celui-là, je ne pouvais pas faire sans le choisir. Voilà. Alors la taille. Je vais vous donner sa taille. Je ne vous ai pas donné la taille. Alors déjà du chat. Alors la taille du chat. En hauteur, il fait 11 cm. Dans la largeur la plus large, il fait un tout petit peu plus de 6 cm pour le chat. L'envolée de papillon, dans la plus grande hauteur, il fait 15,5. Voilà. Et dans la largeur... Un petit 8 cm. Ici. Je peux prendre ma feuille, Fifi. Merci beaucoup. Un petit arbre, comme ça, on va dire un arbre de vie. Voilà, dans un carré et dans un rond. Très joli aussi. Alors lui, le carré 10 cm sur 10, hein, bien sûr. Je vérifie quand même, oui. Et le rond, huit et demi. Voilà. Donc l'arbre, lui, fait 7,5 à peu près. Voilà. Donc, pour l'arbre de vie, je l'appelle comme ça. Voilà. Ici. Une petite bordure dentelle. Voilà, toute simple. Alors, la bordure dentelle, elle fait 14 sur un peu plus de 2,5.
Alors ici, on va voir un ensemble de fleurs et de petits papillons. Oui, Fifi. Elle me pousse avec sa tête. Voilà. Donc, soit vous les détachez, ou alors là, vous pouvez les détacher, ou vous pouvez les laisser comme ça, hein, mais voilà. Donc, la plus grande fleur, elle fait 5 cm, la plus grande. La plus petite, un peu plus de 1,5 cm. Ici, alors si j'arrive, alors, ah, je crois que j'arrivais pas à l'ouvrir. Allez, voilà. Alors là, c'est des angles de cartes, voilà, un petit, un grand. Avec des petites rosaces, enfin des petites, des grandes, il y a toutes les tailles. Alors, la taille complète de ce dies, moins de 10 cm sur la largeur. Et moins de 13,5 sur la hauteur. Mais après, vous pouvez bien sûr, le détacher et comment? Par exemple, en mettre un ici, voilà, et l'autre va être décalé un petit peu. Hein. Là, c'est donc, il est très joli. Plein de petites rosaces. Alors, le dernier dies, ce qui ne veut pas dire le dernier article, voilà, moi j'appelle ça un pulse en étoile. Donc vous avez l'étoile au milieu avec toutes ces, comment, les reflets de l'étoile, voilà, comment on va dire, les traits de l'étoile qui continuent, voilà. Donc là, vous pouvez soit jouer avec les couleurs, jouer avec les images, voilà, c'est un peu comme la carte que j'avais fait la dernière fois. J'aime beaucoup là, ce genre de dies avec lequel on peut jouer sur les couleurs, différentes couleurs, les différents encadrements. On peut mettre du noir, du doré. Là, on peut vraiment jouer avec beaucoup de couleurs sur un seul dies, pardon. Donc là, la taille 14 en hauteur. Et un petit peu plus de 10, alors 10,2 en largeur, voilà, pour celui-là. Et pour terminer, un classeur de gaufrage, j'en avais déjà pris un, là j'en ai repris un, voilà, celui-là. Un classeur de gaufrage feuillage. Voilà. Donc en positif ou en négatif, hein. Après, c'est les classeurs de gaufrage, vous pouvez jouer aussi avec de l'encre, hein. J'en avais déjà fait sur ma chaîne. Il faudrait que je vous retrouve les vidéos que je vous les remets. Que je vous remets les liens. Si je retrouve, bon, il y a tellement de vidéos, il faudrait que je cherche. Oui, Fifi, tu n'aimes pas le classeur de gaufrage? Si, tu aimes. Donc voilà. Tu aimes?
Elle aime. Alors, le classeur de gaufrage, lui, il fait 14,5 sur 10,5. Voilà. Donc voilà les articles que j'ai choisis cette fois-ci dans la boutique Coco Rosa Studio. Et vous. Fifi, hein. Ça c'est Fifi. Il vous offre un code de réduction de 20% sur votre commande. Donc avec le code L1177, je vous le remarque ici en bas de la vidéo, mais je vous remarque tous les liens et le code de réduction en barre d'infos. Donc ne paniquez pas, tout est remarqué en barre d'infos. Vous pourrez trouver de superbes dies dans cette boutique. Et ils sont vraiment très très beaux. Et ils fonctionnent vraiment très très bien. La coupe est nickel. Il n'y a pas de problème. Ouais, bon, je commence à m'en servir des dies de chez eux. Et j'ai pas de soucis. Hein. Vraiment, c'est des coupes nettes, franches. Et il y a vraiment aucun souci. Donc voilà, je vais vous demander de ne pas partir tout de suite. Voilà, pour ceux qui le veulent. Je vais faire une. Alors, je vais essayer de faire une ou deux cartes. Mais sinon, si je n'ai pas pu faire les deux cartes, je vais refaire des vidéos avec d'autres cartes et avec les dice que je vous ai présentés. Mais tout au moins une carte aujourd'hui. Je ne vais pas faire très long, je vais d'abord préparer mes papiers à l'avance, comme ça la vidéo ne va pas être trop longue. Et comme ça, voilà, ça se mélange à la sortie, hein. Vous pourrez voir le résultat déjà au moins d'une carte avec au moins un de ces dies. Et donc, restez jusqu'à la fin, ce sera sympa. Et alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit smiley soleil dans votre commentaire. Voilà. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Hop. Oh. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage pour la suite qui ne va pas être très long, je vous promets. Et Fifi et moi, on vous fait des gros bisous. Tu fais des gros bisous, Fifi? Viens faire des gros bisous. Oh, faire des gros bisous. Non, tu veux pas faire des gros bisous à tes copines? Tout le monde te réclame, hein? Allez, on vous fait des gros bisous, toutes les deux. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Thank you.